Ah, une question PEL. Ça faisait longtemps. Ça fait plaisir. Plan d'épargne logement. Mais oui, Fabien, Nicolas vous demande, j'ai un vieux PEL. Est-ce que pour une fois, vous allez nous dire que le banquier a donné un bon conseil? Non, pas cette fois, hélas. Allez, Fabien, pour faire fructifier mes économies, on me conseille de souscrire un compte épargne logement. Non, je rigole, parce que c'est la question qui revient tous les jours. Mais j'hésite avec un PEL. Après, quand on avance en âge, on peut peut-être passer à autre chose. Il y a le célèbre PERP. Plan d'épargne retraite populaire. Quand le crédit a été souscrit après, le juillet 99. Super, oui et non. Alors oui et non, ça veut tout dire. Hein. Ah c'est bon, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ouais. Si la société ou souscrit. Auquel cas, alors il suffit d'aller vérifier. N'hésitez pas à être le plus flou possible. Alors, non mais vérifiez. Soyons clairs, deux points. C'est comme ça qu'on s'en sort généralement. Hein. Mais c'est pas abusif. Eh bien non, c'est pas abusif. Pour les motos, il y en a 100 000 qui sont volés. J'aime bien quand il fait court comme ça. Farida, en cas de décès, mes proches n'hériteraient pas de mon épargne et me proposent une assurance pour remédier au problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, merci Fabien. Merci Fabien. Merci vous. Non, oui, Valérie est super, super. C'est très, très beau. Très beau. Exotique. Oh, Fabien. Oh, bonjour, Tata Suzanne. Ah, Géraldine est là également. Les principes actifs ne sont pas protégés et au fur et à mesure, ils vont perdre de leur efficacité. Voilà. C'est vrai. Ils vont perdre en efficacité. S'il est mal conditionné, c'est une catastrophe. Non, non, mais parce que... Si on les met dans l'eau ou si on les enfuit dans la terre, peut-être un petit peu dans la terre, monsieur, une fois pour toutes, c'est comme la cravate fuchsia et vinte au lieu de vin. Je suis né en Lorraine, j'ai l'accent lorrain, je suis trop vieux pour que ça change. Je ferme la parenthèse. Faites un effort, Gérard. Et aujourd'hui, on va essayer d'aider Babette qui n'a pas de problème pour bien dormir. Elle, non, son problème, c'est que sa maison a été inondée fin janvier. Elle a tout perdu. Alors, Babette a bien sûr. Alors là, pourquoi vous rigolez là-dessus? À ça. Quoi? Bah, la pauvre. La liaison avec le sommeil. Oui, bah, j'essayais de trouver une transition. Oui. Bon, d'accord, elle n'est pas bonne. Il y a beaucoup de fabricants qui en ont tenu compte. Oui, mais beaucoup de fabricants en ont tenu compte et les ont quand même un peu remplacés progressivement. Vous êtes parti en micro-sieste là ou... Pas du tout, mais non. Bon, vous êtes quoi? Non, non, non. Vous êtes dur, vous êtes dur. Le côté fin. Il est, comment dire, le côté fin n'est pas très savoureux. Voilà, il n'est pas très savoureux, il a beaucoup moins de goût. Et la couleur, justement. Bon. Et la couleur, la couleur, il faut la choisir très blanche. Enfin, pour le choisir très blanc. Très blanc, je ne sais pas. Non, très, très blanc, plutôt crème, plutôt crème. Très blanc et plutôt crème. D'accord. Et alors, on crème. Comment on et surtout pas jaune avec des taches. Si vous voulez, il est jaune avec des taches. Dehors. Bah non, ça c'est quoi comme maladie déjà? La conservation, moi je les conserve 10 jours à température ambiante sur le plateau. Enfin sur le plateau, sur... ouais, le plateau de fruits, oui. Sur le plateau de fruits, non, je pensais au plateau. Parce que je vis ici, en fait, c'est mon ami. On vit tous ici, hein. On vit tous ici. Avec son sac de couchage. T'as pas rangé tes affaires, Thomas? Pardon, je suis désolée. Ton slip traîne. Bon, donc si vous offrez un panier de coin à une femme, si elle n'en prend pas... C'est mauvais signe pour vous. Un panier entier? Ah oui, un panier entier. Ah, ça veut dire qu'à un premier rendez-vous, il faut venir avec un panier de coin. Un panier de coin. Et si elle en prend, c'est un bon conseil, une dizaine, une quinzaine de kilos. Si elle en prend une, coin, vous avez toutes vos chances. Si elle te bouffe le coin, c'est que là. Oh bah... Qu'est-ce que ça coûte le coin? Comment voulez-vous que j'enchaîne après ça, moi? Farida, une question de Loïc. J'ai planté du thym citron sur mon balcon. Oui. L'odeur est très agréable, mais je ne sais pas ce que je peux en faire. Déjà, Loïc, il faut vraiment couper à ras la touffe de thym citron. Non, mais vous faites exprès, Farida. Non, pas du tout. Ça s'appelle une touffe. Quand on coupe à ras la touffe de thym, eh bien, vous retrouvez qu'une jolie boule. Une belle boule. Une belle boule. Voilà. Ça présente bien. C'est moins grave de papoter ou d'être papoteur. En fait, il y a des chefs cuisiniers et des critiques gastronomiques. Pardon, on n'a pas bien entendu. J'ai essayé de le rattraper. Comme vous avez vu, ça a été... Je pensais que ça allait passer discrètement. Ouais, c'est ça. Donc, des chefs cuisiniers et des critiques gastronomiques du monde entier, ils étaient un peu plus de 800. Ich vote pour 7. Oui, ich vote. Grosse cuisinier. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est que le Jurançon... Pas le Jurançon. C'est pas beau, hein. Vous n'avez pas eu alors, ni des charançons, ni des chancres dorés, mais vous avez eu des parasites dans votre jardin. Vous en parlez. Oui, c'est pas dans mon jardin, si on veut. Oui, c'est assez touffu, effectivement. Mais... Et on va plus loin avec nos blaireaux en plateau. Fabien, d'abord, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. Et même pas capable de faire ça. Ça serait tellement drôle. Qu'est-ce qu'il avait? On va plus loin avec nos blaireaux en plateau.
Appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu m'aimes. Que tu m'aimes. S'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perles par-dessus les champs, monté sur le mirage. La forêt chantait, le soleil brillait. 35.fr ou sinon par SMS 41655. Il y a aussi le hashtag de la quotidienne. Ouais. Soyons solidaires. Écoute la gasolina. Dame la gasolina. Si me gusta la gasolina. Dame la